Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler gourde, moyens de purification et lampe. Allez, c'est parti. Je vais commencer la vidéo par vous présenter les deux produits de chez Salomon. Donc c'est similairement les deux mêmes produits, vous avez un écart de prix et un écart de poids. Il y a certains avantages sur l'un qu'il n'y a pas sur l'autre et vice versa. Donc il s'agit des soft flasques de chez Salomon et de la soft speed flasque de chez Salomon. Donc la soft speed flasque, c'est celle-ci que j'ai dans les mains. Voilà, donc c'est un produit qui vous coûte 20 € en moyenne et qui pèse 34 grammes. Ça contient 500 ml d'eau. Pourquoi je vous présente ce produit? Parce que si vous cherchez des produits du coup ultra légers pour faire des randos sur plusieurs jours et que vous n'avez vraiment pas beaucoup de place, ça va être juste génial pour ça. Donc la soft speed flask, pourquoi speed? Parce que vous avez un arrondi ici pour mieux rentrer dans les poches sur l'avant de vos sacs à dos. Alors pourquoi elle est plus lourde aussi que l'autre? C'est que vous avez du plastique ici, le bouchon qui est en plastique qui est plus gros et la coupelle toujours en bas en plastique. Le gros avantage aussi avec ces produits, c'est que vous n'avez pas de goût quand vous buvez votre eau, ça reste le goût de l'eau, vous n'avez pas de goût de plastique avec. Donc du coup celle-ci 34 grammes, 20 €, et l'avantage que vous avez par rapport à l'autre, c'est qu'ici vous avez une grande ouverture et elle est fournie aussi avec un bouchon qui vient colmater, enfin fermer la gourde si vous n'avez pas l'intention de boire dedans, vous voulez stocker du riz par exemple ou autre chose, ça peut aussi servir de contenant. Donc voilà, on va passer à la soft flasque tout court là. Donc celle-ci, l'avantage c'est que vous allez la trouver moins chère que l'autre. Vous avez une graduation à l'arrière qui va de 0 à 500 ml. Le 500 ml, il faut considérer que c'est le haut du bouchon et le 0, bah, le bas de la gourde. Ensuite, le poids, on est sur 30 grammes, donc on gagne 4 grammes. Et l'inconvénient par contre par rapport à l'autre, c'est au niveau du bouchon, l'ouverture est plus petite, mais c'est ce qui vous fait gagner du poids. Après, aujourd'hui, je n'ai pas cherché, je pense qu'il doit y avoir des bouchons qui s'adaptent pour fermer si vous avez besoin de mettre autre chose que de l'eau dedans. Enfin voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter? C'est des produits qui sont sans phosphate, sans BPA, c'est du TPU. C'est fait en partenariat avec Hydrapac, donc c'est fait par Hydrapac et Salomon pose sa marque dessus. Voilà, enfin ce sera tout donc pour ces deux produits là que je vous recommande si vous voulez vraiment voyager ultra léger. On passe aux gourdes Nalgene. Donc les gourdes Nalgene, je vais vous présenter uniquement la gamme HDPE. Pourquoi? Parce que c'est la gamme ultra light de chez Nalgene et de loin la plus résistante. Elle existe en plusieurs versions. Donc vous avez la version 500 ml, vous avez la version 1 litre et vous avez la version 1,5 litre. Pourquoi on va parler nous de la version 1 litre? Parce que c'est le format le plus intéressant pour nous au niveau purification d'eau. 1 litre, c'est une pastille de micro pure ou d'aquataps, donc il n'y a pas d'erreur de dosage et le format reste intéressant, pas trop lourd à porter. Pour la 1 litre, elle fait 108,33 g, c'est assez précis. Vous allez la trouver de 7 à 15 € maximum. Faut vraiment pas mettre au-dessus. Donc les gros avantages de cette gourde, c'est qu'elle est compatible avec les trois quarts des filtres à eau du marché, donc les Katadyn par exemple. J'en passe et des meilleurs, je vais pas passer toutes les marques au peigne fin. Vous pouvez mettre de l'eau de moins 120 degrés à plus 110 degrés. Donc vous avez de quoi faire bouillir de l'eau. On a déjà testé la gourde juste un petit peu plus molle, rien de plus. Faut faire gaffe de pas se brûler, c'est tout. Aussi au niveau de l'enveloppe, on va parler de l'enveloppe, donc elle est opaque mais elle est transparente. Vous allez quand même voir le niveau de l'eau dedans. Si je m'approche avec la 1,5 litre, on va, vous voyez, on arrive à voir la bulle, donc on voit quand même le niveau de l'eau dedans. Donc là, je vais rester proche. Je vais vous parler aussi de la graduation. Donc sur la gourde, vous avez une graduation qui va de 100 ml à 900 ml, sachant que les 1 litre, c'est en bas de la barrette du bouchon. Vous avez aussi donc la grande ouverture ici. Donc vous trouverez aussi, alors pourquoi les Nalgene? Vous trouverez une multitude d'accessoires pour brancher sur les Nalgene. Là je prends l'exemple sur la 1 litre, j'ai un bouchon réducteur de goulot qui va me permettre de boire sans m'en foutre partout. Vous avez aussi les tuyaux de Camelback, vous pouvez mettre un tuyau pour mettre la gourde directement dans le sac et pomper avec votre tuyau, ça peut être un avantage aussi. Et aussi pour les moyens de purification, je vous montrerai après, le tuyau peut servir. Le gros défaut de cette gourde, ça va être la graduation avec le temps. Si je vous montre sur la 500 ml qui est un petit peu plus vieille, vous voyez la graduation elle s'efface. Donc ça peut être un défaut. Enfin après la 500 ml, si je vous les mets côte à côte, celle-ci elle a quand même plus de 5 ans. Donc ça reste
correct pour un produit qui coûte en moyenne 7 € si vous vous débrouillez bien. Ce sera tout pour les gourdes. Maintenant qu'on a parlé de toutes ces gourdes, on va parler de filtre à eau. Donc on va parler du moins cher au plus cher et du plus léger au plus lourd. Donc là, on va vous présenter donc du coup 3 produits mécaniques et 2 produits chimiques. Je vais commencer par le moins cher. Donc c'est la paille Live Straw. Cette paille, elle pèse 57 grammes. Vous la trouverez aux alentours de 25 € sur internet. Son autonomie, c'est 4000 litres. Donc c'est le produit qui aura le moins d'autonomie sur ce que je vais vous présenter. Après, c'est le plus léger. Il est un petit peu plus encombrant que certains, mais il est assez sympa. Donc pour s'en servir, vous avez pas mal d'avantages. C'est que vous avez cette petite corde et 2 bouchons de protection. Donc un en bas, un en haut. La corde, elle va vous servir dans l'eau, pour éviter de faire tomber le filtre au fond de l'eau tout simplement et qu'il soit complètement foutu puisqu'il sera contaminé au niveau de la bouche. Alors, donc du coup pour les avantages on en a parlé, maintenant les inconvénients, c'est un filtre qui va vous allez uniquement devoir vous servir de votre bouche, donc aspirer et à l'amorçage du filtre. En fait, ça vous demande un effort pour aspirer. Et dans certaines conditions, si vous êtes essoufflé, que vous avez marché pendant longtemps, ça peut être assez gênant. Il filtre à 0,2 micron, donc vous allez quand même filtrer beaucoup de bactéries avec. Ce sera tout donc du coup pour le Live Straw. On va passer maintenant au deuxième filtre. Pour le deuxième filtre, donc on reste dans la gamme pas excessivement chère et pas beaucoup plus lourde. Donc celui-là, c'est le Sawyer Mini, donc de chez Sawyer. Il vous coûtera 35 € environ. Et il pèse 60 grammes. Donc lui, par contre, il va filtrer 0,1 micron. Maintenant, pour celui-là, la durée de vie du filtre, ça va être 380 000 litres. Donc autant dire que celui-là, c'est pas un gros investissement. Et normalement, c'est un investissement limite à vie. Si vous n'êtes pas l'idiot avec le filtre, vous le gardez à vie. Donc voilà, pour le débit, on est à 1 minute 15 au litre. Ça reste assez correct. Il est fourni aussi avec des accessoires. Donc vous avez avec une seringue de nettoyage, une flasque avec son bouchon que j'ai perdu, et une paille pour venir directement boire dans l'eau. Au niveau du filtre en lui-même, vous avez ce petit capuchon qui vient vous protéger la sortie du filtre, et ici au niveau de l'entrée du filtre, vous avez un petit joint qui va venir bien faire étanche avec les bouteilles de soda ou la flasque. Alors à savoir que vous pouvez très bien prendre une bouteille de soda type ou Badois ou Perrier. Ça fonctionne, le Padis il est fait pour. Donc ça, voilà. Je pense que j'ai tout dit sur le filtre. Alors si, non, j'ai pas tout dit. On ne connaît pas la fiabilité à long terme. Il n'y a pas de témoin d'usure, donc ça c'est pour les défauts. Et il craint le gel. Voilà, c'est un peu comme tous les filtres. Après, en avantage, vous pouvez... vous avez son prix, il est vraiment pas cher. Vous pouvez avoir différents coloris si vous êtes en groupe, c'est assez intéressant. Parce que vous échangez pas vos filtres entre vos potes et vous. Et vous avez aussi un autre avantage, c'est que vous pouvez venir couper un tuyau de camelback et le mettre entre la poche à eau et votre tétine. Ce qui vous permet d'avoir un camelback qui sera considéré comme contaminé, mais vous avez le filtre qui vient vous purifier l'eau direct au camelback. Ça vous évite de prendre d'autres trucs, de pomper avec la bouche et tout ça. Voilà, donc ce sera tout pour celui-ci, j'ai rien d'autre à dire dessus. Ensuite, on va parler donc d'un autre filtre. Donc là, c'est vraiment pas la même catégorie de filtre, on est sur un filtre qui va vous coûter 300 €, donc c'est extrêmement cher, et qui pèse 500 grammes. Donc ce filtre-là, moi, je le recommande. Pourquoi ? Je vais déjà parler de ses avantages. Déjà, c'est un filtre qui est garanti 20 ans, c'est énorme, donc autant dire qu'ils sont sûrs d'eux. Donc je vais tout de suite vous le montrer, c'est le Katadyn Pocket. Donc ce filtre là, comme je disais, il pèse 500 grammes et il va convenir pour un groupe de 3 à 4 personnes. Donc vous prenez un filtre pour 4 personnes. La cartouche dedans filtre à 0,2 micron. Il a une autonomie de 50 000 litres, donc c'est largement suffisant, sachant que vous ne jetez pas le filtre quand il est usé. Vous changez simplement la cartouche en céramique qui est à l'intérieur. Alors l'intérieur, c'est donc du coup une cartouche en céramique avec des pastilles d'argent qui vous permettent d'auto-nettoyer le filtre. Et fourni avec ce filtre, vous avez une pochette et un kit d'entretien avec de la graisse, des éponges, et dedans vous avez un petit témoin d'usure que vous venez placer autour de la cartouche en céramique, et à partir du moment où la cartouche est plus petite que ça, c'est le moment de changer la cartouche. Alors pour les inconvénients, le prix, le poids, et il craint le gel.
Par contre, pour les avantages, aujourd'hui, il va être compatible avec toutes les gourdes du marché. Donc les Nalgene, vous allez pouvoir brancher la Nalgene directement dessus. Donc là, on a ajouté à la gourde, on a ajouté le filtre à charbon. Donc là, il n'y a pas de charbon dedans, mais vous pouvez mettre des charbons pour retirer tout ce qui est éléments chimiques, un petit peu de l'eau et le goût de l'eau aussi. Sur certains continents, l'eau elle va être dégueulasse et vous avez utilisé du charbon. Alors par contre, le charbon, attention, c'est bien, mais c'est pas bien. Vous avez une autonomie de 200 litres avec une cartouche de charbon et c'est pour mémoire 25 euros les deux sachets de charbon. Donc c'est pas très intéressant. Ensuite, au niveau de l'arrivée du filtre, vous avez un flotteur ici que vous pouvez régler par rapport à la profondeur de votre eau. Et dans la tétine là qui est protégée, donc vous avez un pré-filtre et à l'intérieur vous avez un petit filtre en inox qui vous permet vraiment d'enlever toutes les micro-branches et tout ça avant de passer dans le filtre. Donc c'est une action de pompage pour le filtre, je sais pas si je l'ai déjà dit. Et voilà, donc voilà, très bon filtre, très bon produit, par contre extrêmement cher. Niveau polyvalence, c'est le meilleur de la gamme. Voilà, ce sera tout pour les filtres à eau. Voilà, après les filtres à eau, je vais vous parler vite fait, alors vraiment vite fait, des filtrations chimiques. Donc je vous parlais de deux marques, c'est Aquatab et Micropure. Alors Micropure forte, ça c'est la gamme forte. Vous avez plusieurs dans la gamme, vous avez des fortes, des médiums et des light. Nous on a pris la forte, c'est les plus puissants et c'est vraiment si on part dans des pays exotiques un peu où on a beaucoup de risques, on va utiliser plus du fort. Je vous parle de ça, pourquoi c'est intéressant pour nous en randonnée, ça va nous permettre de conserver l'eau jusqu'à 6 mois. Si on a un pépin aussi avec nos filtres mécaniques, donc si on a un filtre qui pète, on va pouvoir se servir de notre t-shirt par exemple pour filtrer l'eau dans notre gourde pour enlever toutes les particules et on va filtrer du coup, enfin on va traiter chimiquement l'eau avec une pastille pour 1 litre donc de Micropure. Donc vous avez plusieurs mode de traitement, on va dire. Vous avez c'est pas des modes, c'est sur la durée de votre traitement. Si vous voulez enlever tout ce qui est virus et bactéries, vous allez mettre un cachet, donc pour 30 minutes ça va vous traiter l'eau en 30 minutes. Par contre, si vous voulez vraiment filtrer toutes les merdes que vous pouvez avoir dans l'eau, va falloir mettre le cachet pendant 2 heures dans l'eau. Donc il va se dissoudre tout simplement, il va falloir attendre 2 heures après pour pouvoir boire son eau. Donc voilà, ça vous coûte 19 euros les 100 pastilles, donc 100 pastilles, 100 litres. Donc ça reste un moyen de conservation et de traitement. En fait, si vous avez des doutes quant à la qualité de votre eau que vous avez filtré et tout ça, si vous avez toujours un doute, utilisez ces Micropures. Voilà, je vais vraiment aller vite fait sur les Micropures. Le gros défaut, alors l'avantage c'est que c'est pas excessivement cher, la date de péremption elle est juste énorme sur le produit. Et le gros inconvénient par contre, c'est si vous ne filtrez pas votre eau avec du charbon, après vous allez voir un goût de chlore. C'est à base de chlore, donc vous allez avoir un goût de chlore. Et on a fini sur tout ce qui est filtration d'eau. Je vais vous parler de deux lampes vite fait. Donc c'est la E-Light Plus de chez Petzl et la Nao Plus de chez Petzl. Donc on va commencer par la E-Light. Pourquoi je vous parle de la E-Light? Donc c'est vraiment pas une lampe pour aller se balader, marcher, tout ça. C'est une lampe de secours. Cette lampe là, elle pèse 26 grammes. Vous la trouverez aux alentours de 20 à 30 euros selon là où vous l'achetez. Elle a que des avantages cette lampe. Alors vous avez donc dans la boîte fournie avec la lampe, la lampe, un sifflet, voilà, et une petite boîte de conservation. Donc normalement la boîte, je vais vous montrer, j'en ai plusieurs, elle est neuve avec marqué E-Light dessus. Sur la boîte vous trouverez ici les signes de SOS, un petit rappel pour les hélicoptères, pour les aériens. Vous retrouverez ces signes de SOS si vous perdez la boîte juste derrière la lampe à ce niveau-là. Et vous retrouverez aussi le morse, donc le code morse du SOS sur le sifflet pour pouvoir faire le code morse avec le sifflet si vous avez besoin de secours. Vous amusez pas par contre à faire le SOS en pleine montagne si vous n'êtes pas en détresse, parce que ça va être problématique pour vous après. Vous pouvez retirer le bandeau assez facilement et l'utiliser pour autre chose, voilà. En termes de spécification, vous avez plusieurs modes. Donc vous avez un mode de verrouillage pour pas que la lampe s'allume par inadvertance, un mode éteint, un mode 30 lumens, un mode 50 lumens, un mode blanc clignotant, mode rouge clignotant et un mode rouge. Les modes rouges sont visibles à 1 km maximum. La lampe, vous avez le mode 30 lumens et le mode 50 lumens, à savoir qu'en 50 lumens, vous avez une autonomie de 3 heures et vous allez voir à peu près à 7 mètres de profondeur. La lampe est étanche à 1 mètre pendant 30 minutes,
Elle est ATEX, donc anti-déflagrante. Vous pouvez l'utiliser en cas de fuite de gaz. Alors ça, c'est une info du monde, mais ça peut vous servir. Vous pouvez l'utiliser de moins 30 degrés à plus 60 degrés. Donc ça reste quand même une plage qui est assez intéressante. Vous pouvez l'utiliser aussi, enfin vous pouvez la conserver pendant 10 ans sans changer les piles. Ils vous garantissent que les piles tourneront toujours 7 heures, enfin 3 heures en mode maximum. Je vais vous la tremper dans l'eau, je vais vous montrer que ça fonctionne, que c'est pas des conneries. Donc là je l'allume, voilà, et je la laisse allumer. Alors par contre, pour tout ce qui est produit qui est étanche à l'eau, il est déconseillé de tourner les boutons quand vous êtes dans l'eau. Ça crée un mouvement mécanique et c'est là que votre lampe peut prendre l'eau. Voilà, donc c'est tout pour cette lampe. Donc pour le résumer, 50 lumens sans puissance maximum, 26 grammes pour 30 euros et elle peut vous sauver la vie clairement dans certaines situations. Elle a un sifflet, ça vous évite de le mettre dans le sac, elle a une bonne bande élastique. Et pour une autre info, si vous voulez changer les piles, c'est des piles qui sont assez trouvables, c'est des CR2032, il y en a deux dedans, voilà. Ça coûte pas excessivement cher, donc c'est un produit qui est, que vous pouvez garder dans le temps. Maintenant, je vais parler de la deuxième lampe, donc c'est la Nao Plus. Alors, je vais commencer tout simplement par les spécifications techniques. Alors, on va aller vaguement dans les spécifications techniques parce qu'il y en a beaucoup. Donc, elle pèse 185 grammes. Vous la trouverez de 130 à 150 euros selon les magasins, voire moins cher si vous la brouillez bien. Elle est IPX4, donc elle résiste à l'eau, mais alors, elle n'est pas étanche à l'eau celle-ci. Par contre, elle est étanche à la pluie, mais pas à l'eau. Vous ne pouvez pas la tremper dans l'eau, sinon la lampe, elle est morte. Alors, la lampe, ce qui est intéressant donc pour nous, c'est qu'elle a une batterie USB. On va commencer par parler de la batterie. Donc, cette batterie, vous ne pouvez pas mettre de piles dedans comme les anciennes versions. Les anciennes versions, vous pouvez mettre des piles dedans. Là, c'est un accu. Une fois qu'il est vide, il faut le recharger. Pour les Nao 2 et 1, vous pouvez mettre deux piles AAA 1,5V dedans. Si vous n'avez plus de batterie, là, c'est plus possible. Par contre, la différence avec l'ancienne batterie et la nouvelle, c'est le temps de charge. Là, vous êtes en USB 3. Vous allez la charger entre 6h30 et 8h à peu près. Non, c'est de 6h à 8h, voilà, selon votre mode de charge. Vous avez donc un port USB 3 et vous allez pouvoir nommer votre batterie et nommer votre lampe sur votre application et vous ne pouvez pas les mélanger avec votre pote. Quand vous allez sur votre application, du coup, ça marque Nao Romain, Nao Jérôme, Nao. Ça, c'est comme ça pour toute la gamme Petzl, enfin, pour toute la gamme Nao. Voilà, donc pour la batterie, derrière vous avez un voyant ici, vous allez pouvoir mettre, donc c'est un voyant rouge, vous allez pouvoir le mettre en fixe, en clignotant ou éteint. Ce voyant, il est visible à 1 km à la ronde, donc c'est suffisant pour se faire voir. Voilà, pour tout ce qui concerne le reste de la lampe, donc la fixation élastique réglable, là, vous pouvez la régler comme vous voulez. Vous avez fourni dans la boîte aussi une petite sangle qui vient se mettre au-dessus, qui vient se clipser, qui peut être pratique si vous avez des casques ou si vous avez une petite tête et que ça ne tient pas avec votre tête. Vous n'avez pas de sifflet avec cette lampe par contre, mais vous avez d'autres fonctions intéressantes que je vous montrerai après. La lampe est inclinable, vous pouvez verrouiller la lampe avec le côté. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 modes dans la lampe, donc 3 modes reactive lighting et 3 modes fixes. Donc vous faites une pression à un mode, deuxième mode, là il n'y a que 2 modes dans mon profil, mais voilà, troisième mode si vous voulez. Alors maintenant on va parler un petit peu plus des spécifications. Donc pour l'autonomie, on va de 6h30 à 15h selon les modes. Je reste vraiment selon les modes parce que vous pouvez mettre beaucoup de modes, même personnaliser vos modes. Donc là nous ce qui est intéressant c'est qu'on peut la charger en USB et on a la technologie qui est utilisée par cette lampe, c'est le Reactive Lighting. Donc c'est un brevet de chez Petzl, il n'y a que eux qui font ça. Donc là, en gros, ma lampe elle va s'adapter par rapport à mon environnement. C'est-à-dire que si je veux regarder loin, ma lampe va automatiquement mettre un faisceau long. Et si je regarde de près, ma lampe va automatiquement mettre un faisceau court ou peu puissant. Je vais vous montrer tout de suite. Donc quand je passe ma main devant, là elle est en basse. Si je passe ma main devant, voilà, ça va automatiquement monter la luminosité de la lampe. Et ça va me permettre de ne pas éblouir mes copains. Et quand je regarde ma carte, de pas m'éblouir aussi quand je regarde ma carte, de ne pas utiliser ma lampe à 100% à chaque fois. Donc ça va économiser la batterie et aussi ça va éviter mon œil de travailler. Ça veut dire que si je regarde l'arbre qui est à côté de moi, que vous ne voyez pas là, ma lampe, elle va être en basse luminosité. Par contre, si je regarde là-bas où j'ai un champ qui est super profond, elle va m'éclairer le champ complètement. Donc ça, c'est intéressant au niveau économique et au niveau de l'œil.
Voilà, après je vais passer en détail. Vous avez une application qui s'appelle My Petzl Lite, donc elle est Bluetooth. Vous pouvez la programmer via cette application, donc vous pouvez mettre des profils dedans. Vous pouvez mettre des profils constants, qu'on appelle ça, donc sans le Reactive Lighting, ou les profils Reactive Lighting. Ces profils constants, ils vont vous permettre d'éclairer fixe avec une plage batterie où vous allez être sûr d'avoir 3 heures de batterie pendant X temps. Maintenant, si vous êtes en Reactive Lighting, vous allez avoir l'autonomie qui va différer. Là, sur l'application, qu'est-ce qui est intéressant de savoir sur cette application ? Donc déjà, vous pouvez régler votre profil, je vous l'ai dit. Et vous avez en temps réel l'autonomie de votre batterie et le programme sur lequel vous êtes. Donc avec l'application, vous pouvez décider d'éteindre ou d'allumer le voyant derrière, de le faire clignoter ou pas. Là, vous pouvez mettre en mode randonnée, trekking, course à pied, escalade. Vous avez une multitude de profils qui existent déjà, multisport, bivouac. Enfin, vous avez beaucoup de profils. Et donc, du coup, vous allez faire ce que vous voulez avec, vraiment ce que vous voulez. Je me répète, désolé, mais voilà. Et du coup, voilà, pour l'application, c'est tout. Je vous mettrai vite fait sur la vidéo des petites captures d'écran de l'application. À savoir que vous avez aussi, alors un mode que je voulais vous parler en dernier, après on arrête sur la lampe et j'arrête cette vidéo, le mode SOS en gros, enfin c'est pas un mode SOS, c'est le mode Morse. C'est-à-dire que sur cette application, vous avez un mode qui va transcrire votre écriture, votre texte en Morse. Ça veut dire si demain vous avez besoin de communiquer avec les secours, que vous ne pouvez pas leur parler parce que vous êtes trop loin, vous allumez votre lampe, vous allez sur le mode Morse, et vous envoyez le message que vous voulez à votre lampe. Donc votre lampe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'allumer et elle va vous clignoter pour dire, en fait, elle va vous transcrire votre morse en lumière. Et là, les secours, eux, ils sont aptes à déchiffrer le morse. Ils arriveront à déchiffrer votre message, des coordonnées GPS, des SOS, des « j'ai pas d'eau, je me suis blessé ». Enfin, vous pouvez vraiment tout dire aux secours par rapport au morse. Donc moi, c'est un point positif pour cette lampe. Donc normalement on a fait le tour. Voilà, donc pour résumer la lampe, donc vous avez une charge qui dure de 6 à 8 heures, une autonomie de 6h30 à 15h, donc ça en théorie. Le poids 185 grammes, rechargeable en USB, résistante à la pluie, et l'application qui fait des miracles pour tout ce qui est programmation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, une bonne semaine. Allez, ciao, à la prochaine.